excusez-moi, quand j'entends certaines choses, je suis quand même sidéré. Et surtout que la personne qui a pris la parole passe pour le pédagogue de nos jeunes avocats ici à Kassai. Avant de commencer sur le premier président, est-ce que l'avocat de l'UNPS peut nous demander une procuration de l'UNC? Parce que toute sa plaidoirie n'a consisté qu'à plaider pour l'UNC. En fermant les yeux, c'est l'avocat de l'UNC qui parlait. En ouvrant les yeux, c'est l'avocat de l'UNPS qui parle. Nous sommes en matière de contentieux électoral, de contentieux de candidature. A-t-il mandat de l'UNC pour venir parler de l'UNC ici? Ça, c'est la première question. Votre honneur, nous sommes alignés comme indépendants. Nous ne le faisons pas comme un bandit, nous le faisons conformément à la loi. La loi électorale est claire. Dans la joute électorale, on peut soit aller comme indépendant, soit aligné par un parti politique, ou encore par un groupement politique. Là, c'est l'article 164 sur le droit. Et là, votre honneur, la participation aux élections vous donne cette liberté-là. Nous sommes allés comme indépendants et non comme sous la liste d'un mouvement politique. Votre honneur, il a parlé de leur candidat qui serait UNC. La réalité est celle-ci. Le policier de Guy Mafouta est également venu comme indépendant. Il est vrai, c'est un élu provincial de l'UNC. Mais pour les élections du gouverneur, il vient comme indépendant autant que Guy Mafouta. Mais la liste de l'UDPS aligne deux candidats, le titulaire et l'adjoint. Les deux sont UDPS. Nous sommes dans un procès, nous sommes devant la cour. Nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas dans un meeting. Au regard de la loi, au regard de la cour, la liste des UDPS renseigne deux candidats UDPS. Et d'ailleurs, l'une des conditions pour la recevabilité, il faut aller dans l'investiture du parti. Et pour que M. Bokele soit accepté par la CENI, l'UDPS, par la signature de son secrétaire général, le ministère Kabuya, a fait une lettre d'investiture reconnaissant que M. Bokele est UDPS. C'est cela la loi, c'est cela le pouvoir. Bokele est UDPS. En aucun cas, la bonne foule ici présente ne se laissera emporter par ses rêveries et penser que Bokele est UNC. Il est UDPS et c'est cela le pouvoir. Nous allons verser notre honneur. Les preuves dans les investitures, la CENI est là. Nous allons poser la question à la CENI qu'elle nous exime la lettre d'investiture de l'UDPS qui reconnaît M. Bokele comme étant membre de l'UDPS et aligné à l'élection du gouverneur. Deuxième élément, le candidat Bokele est en question. Il n'est pas sa première participation à l'élection. Il était candidat député provincial dans la circonscription de DEC. Sur la liste ABC, numéro 47. ABCA numéro 47. L'UNC a aligné une autre personne à DEC. Monsieur Joski. Monsieur Bokele a été aligné sur la liste ABCA. Il n'y a aucune relation entre monsieur Bokele et l'UNC. Mais leur politique est une en réalité au regard des éléments que vous posez là-bas. A compéti à la première élection au niveau provincial comme candidat APC. C'est cela la vérité, mon honneur. Je ne pense pas que des personnes sérieuses peuvent avoir le courage de soutenir ça devant la si haute cour, devant laquelle nous devons respecter sincérité et sérieux. Votre honneur, je vais laisser la parole à mes conseils pour enchérir sous le plan des droits et conséquences. Encore que la proposition a été trop clémente, quand les experts de la CENI signent une requête,
c'est la bonne chose, c'est la bonne chose, c'est la bonne chose. Maintenant, c'est la bonne chose, moi aussi, comme le chef de mon conseil, de la matière. Pour commencer par là où j'ai arrêté, une ligne d'article, article 25, qui se sent à l'inéa 2, à l'article de la loi électorale. Dans un délai de 48 heures suivant la publication des listes, on ne parle pas de la notification. Suivant la publication, la loi électorale, article 25.
c'est une association politique. Vous verrez à ce niveau-là, l'Union sacrée n'a jamais arrêté personne, pas l'élection. Il m'a foutu, ça n'a rien à voir avec le parti politique UDPS en termes juridiques. Il m'a foutu à être élu sur la liste de 200 DPC, qui est un mouvement à part entière, distinct de l'UDPS. Nous sommes en droit, nous ne sommes pas en sociologie, nous sommes dans un terrain de football. Ouais. C'est ça la vérité juridique. Et alors, est-ce que la loi défend un élu d'un parti politique dans une élection de compétir comme indépendant dans une autre élection? Parce qu'il faut le savoir, l'élection ici présente, c'est l'élection des gouverneurs qui n'a rien à voir avec l'élection des députés nationaux, moins encore au perso. Et je vous parle de l'honneur, le règlement, parce que je suis député national aussi, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été envoyé à tout au sein de mon comité, la Cour a réagi strictement sur la liberté, la possibilité de donner à certaines personnes, membres du parti politique, de postuler comme indépendants au niveau de l'Assemblée. Je ne suis pas dit les gens, mon frère, il faut dire ça, mais les gens, et c'est la haute cour, vous donne la liberté. Je postule comme indépendant au nom de quoi un candidat d'un parti politique ne peut pas user cette possibilité légale pour compétir comme indépendant au niveau du gouvernement. Vous noterez, votre honneur, que tout ce qui est là dans ce livre est de la confusion. Une confusion dangereuse pour ce procès et pour les générations futures, parce qu'il est et d'abord. Je m'arrête là-bas, les confrères me comprennent.